Nouvelle semaine sur les marchés et petit tour d'horizon des événements à suivre côté américain mais aussi européen. Et on commence directement avec le mardi 21 mai en Allemagne. Le prix à la production du mois d'avril sera dévoilé. Un prix qui reste sur une hausse de 0,4% pour le leader économique de la zone euro. Le lendemain, direction les États-Unis, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, la réserve fédérale américaine, sera publié. Réunion qui s'était tenue les 30 avril et 1er mai dernier. Et ici à Wall Street, eh bien, tout le monde veut connaître en détail, savoir ce qui s'est dit très précisément sur la situation économique du pays. Jeudi 23 mai maintenant, les indices des responsables d'achat seront publiés pour la France, pour l'Allemagne et pour la zone euro, soit les trois piliers économiques et sociaux du vieux continent, des indices qui concerneront le secteur manufacturier et celui des services. Et puis enfin, pour terminer la semaine, vendredi, dernier détour par les États-Unis, on connaîtra l'évolution des commandes de biens durables. En mars, elles avaient chuté de 5,7%. On verra donc si, pour le mois d'avril, eh bien, les consommateurs américains ont plus investi dans ces biens durables, soit des biens à moyen ou long terme.